Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Législative, Jean-Luc Mélenchon, sans doute candidat à Marseille. Oui, quand on voit comment les Marseillais conduisent, c'est clairement une ville d'insoumis. Bernard-Henri Lévy s'est à nouveau fait entarter. Ah. Le gars passe trois quarts de sa vie avec de la crème sur sa tête. C'est plus un philosophe, c'est une meringue. Et les brèves? Ouais, je vais vous entarter le bref. Manuel Valls ne sera donc pas investi dans la République en marche. Eh non, il est en marge. Hein, il va le rester. Anne Sinclair a pris sa défense sur Twitter et elle a écrit, je la cite, « Pas bienvenue chez les uns, demande d'exclusion par les autres. L'humiliation publique infligée à Manuel Valls est franchement déplaisante. » Oui, et c'est une ceinture noire en matière d'humiliation publique, qui vous le dit. Et ce n'est pas tout. Jeannette Bougrabe, de retour. Ça faisait longtemps. Elle a tweeté « Pourquoi refuser l'investissement à un ancien Premier ministre, grand défenseur de la laïcité. » Ah ben c'est cohérent. Quand Jeannette Bougrabe vient parler de quelqu'un, c'est qu'il nous a quittés. Donc c'est cohérent. Benoît Hamon annonce la création d'un mouvement transpartisan dès le 1er juillet. Le 1er juillet, donc le gars se met au boulot quand tout le monde part en vacances. Il y a un gros problème de timing chez Benoît, c'est vrai. Ça, faut le dire. Et Bruno Leroux, lui, renonce à un nouveau mandat de député. Ah, va se consacrer à sa famille. Bah non, parce que ça, il le faisait déjà quand c'est il était député, justement. Allez, international, Donald Trump a surpris tout le monde en licenciant le patron du FBI. Oui, Trump peut donc s'attendre à recevoir un coup de téléphone de Manuel Valls qui postule donc au FBI. Fait divers en France. Dans la Somme, un lion attaque son dresseur en pleine représentation. Ça, le mouvement des insoumis fait des émules jusque dans les cirques. En culture, les demi-finales de l'Eurovision sont derrière nous et samedi, ce sera la grande finale. Oui, donc après ce premier tour, il y aura un deuxième tour et Jean-Luc Mélenchon ne donne aucune consigne de vote pour l'Eurovision. Musique et télévision toujours. Oui. Après son échec sur C8, le télécrochet La Nouvelle Star va faire son comeback sur M6 pour une nouvelle saison avec un nouveau jury. Ah, ben ça, c'est quand même un bel espoir pour nous parce que les émissions avec André Manoukian peuvent ressusciter après. Donc on peut imaginer la suite. Une expérience immersive à présent. Ah oui, un vétérinaire anglais a tenté une expérience d'immersion dans la peau d'eux. Il a notamment passé 6 semaines, il a vécu comme un blaireau. Voilà, alors que Bernard-Henri Lévy, ça fait bientôt 60 ans. Hein. Allez, les brèves. Oui, Toulouse, il fait du nunchaku en pleine rue et blesse 2 policiers. Aïe. Ouais, il est à cran Jean-Vincent Placé en ce moment. Montpellier, prison avec sursis pour un père qui a utilisé un taser pour calmer son fils de 9 ans. Ah oui, il fallait pas interdire les fessées. Oui, en tout cas, je peux vous dire, le gamin est bien calmé. Marseille, un homme tente de rentrer dans la prison des Baumettes. Ouais, il a été repéré par les caméras de surveillance alors qu'il tentait de rentrer par-dessus le mur de la prison. Voilà, apparemment, ce serait Manuel Valls qui a confondu avec les locaux d'En Marche. La dernière, Italie, il tue sa voisine, excédé par les insultes de son perroquet. C'est ce qu'on appelle une prise de bec qui tourne mal. Il a bien pris, Emmanuel Valls, dans le journal. Bah, c'est pas fini. Restez, c'est pas fini. Il en reste encore un petit peu. Oui.